Salut, bonjour, bienvenue à notre site internet ou bien sur notre channel YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un appel de vidéo à partir de votre WhatsApp. Et à noter que Facebook a travaillé beaucoup pour être parmi l'un des acteurs sur le marché en ce qui a trait aux solutions de vidéoconférence. Donc pour le faire, vous ouvrez votre WhatsApp et une fois ouvert votre WhatsApp, vous créez une réunion, une nouvelle réunion par exemple. Je vais essayer de créer une réunion avec D'accord, donc j'ai ce contact. Maintenant, je vais créer une vidéoconférence. Ce que je fais, je clique sur là où se trouve la petite trombone. Je clique là-dessus et je prends l'option qui dit Room. Donc, quand vous choisissez cette option, vous allez créer une salle virtuelle. Il vous dit de continuer sur Messenger et vous dites oui. C'est ce qui est intéressant avec cette solution de Facebook, c'est que ben parce que on n'a rien, on n'a rien besoin d'installer, c'est-à-dire ça utilise des applications qui sont déjà installées sur votre téléphone. Donc il va dire qu'il va se diriger à Messenger et on lui dit oui. Ben voilà, et il me dit que je suis sur la salle de Rodrigo Zerus. Ben en fait, ce qu'il fait, il regarde la configuration de mon Messenger sur le téléphone et il donne ce nom à ma salle. Donc je lui dis d'accord, pas de problème, et je fais créer. Et automatiquement, il me dit que ma salle est créée si je veux envoyer le lien par WhatsApp. Donc je n'ai qu'à dire. Oui, je clique sur ce bouton, automatiquement, ce lien va, je vais pouvoir envoyer ce lien à la personne sur WhatsApp ou qui que ce soit qui veut participer sur cet appel de vidéoconférence. Et il faut dire aussi que l'idée de Facebook, c'est de permettre que plusieurs personnes puissent participer. Parce que un appel WhatsApp en groupe, c'était très limité. Donc maintenant, avec cette option, vous pouvez avoir à beaucoup plus de participants. Et là, vous voulez, par exemple, stopper cette salle virtuelle, vous n'avez qu'à créer, cliquer sur End Room ou bien finaliser la salle qui est en bas, en rouge, et ce sera fait. Comme c'était expliqué dans la première vidéo, une fois partagé le lien de votre Messenger Room, donc vous n'avez qu'à cliquer si vous êtes l'auteur, vous cliquez là-dessus et automatiquement ce que vous allez avoir, c'est la salle qui va être disponible pour que toutes les autres personnes puissent entrer à partir du lien, ce lien même. Donc maintenant moi-même, j'entre et ça commence. Voilà. Donc, je n'ai qu'à maintenant attendre que les autres intègrent ou bien rejoignent la salle. Donc, vous avez toutes les options. Vous avez l'option de la caméra, vous avez l'option du micro. Vous mettre votre micro mode mute ou bien silence si vous voulez. Vous pouvez terminer l'appel en cliquant sur le bouton d'à côté. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres participants. Vous n'avez qu'à juste, si vous ne voulez pas que d'autres personnes participants puissent entrer, vous pressez sur lock ou bien bloquer l'entrée aux autres personnes.
Et pour le moment, c'est moi-même qui je suis dans la salle, donc c'est pour cela que vous voyez que c'est moi ici. Donc si, pour les autres personnes, vous avez d'autres options, par exemple, c'est stopper, si vous voulez stopper. Donc c'est ça. Et voilà, vous avez déjà partagé le lien et maintenant vous avez les options basiques. Il y a beaucoup plus d'options quand vous êtes sur un computer, mais là, c'est comme tout le monde utilise un mobile, c'est le plus important pour le moment. Donc maintenant, j'attends que les autres personnes puissent entrer à la réunion et comme ça, je peux interagir avec les gens, se parler en fait activer ma caméra et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide à comprendre comment ça fonctionne. N'oubliez pas, vous avez plusieurs dizaines de participants qui peuvent entrer et rejoindre votre salle virtuelle. Ce qui est différent quand vous faites un appel WhatsApp de groupe où le nombre de personnes est très limité. N'oubliez pas de vous inscrire à notre canal YouTube et partager cette vidéo avec vos amis pour qu'elle puisse entrer, pour qu'elle puisse savoir utiliser cette possibilité qu'offre Facebook d'avoir des vidéos conférences avec vos amis de partout. Au revoir et à bientôt.